le Président, le Premier ministre a donné de nouvelles directives à la ministre des Affaires étrangères. Maintenant, tout déploiement de troupes canadiennes à l'étranger doit se faire dans l'intérêt national du Canada. C'est exactement ce que nous avons fait par le passé. Considérant cette nouvelle vision et l'engagement empressé du Premier ministre à déployer 600 soldats en mission de paix en Afrique, où il n'y a aucune paix à protéger, est-ce que la ministre peut nous expliquer où se situe, c'est où l'intérêt national du Canada dans cette mission africaine? La ministre des Affaires étrangères. Merci pour la question. J'ai déjà répondu en anglais, mais c'est un plaisir d'essayer en français. Excellent. En ce qui concerne l'intérêt national, en tant que ministre d'Affaires étrangères, c'est mon privilège de défendre l'intérêt national et je vais essayer de le faire. En tant qu'architecte résolu de la paix, le Canada reprendra les opérations du paix. Notre gouvernement s'est engagé à rétablir le rôle du Canada dans les missions de soutien de la paix, et nous sommes actuellement en train d'évaluer le rôle que le Canada pourrait jouer.